un ni une Eurotrip. C'est parti. Oh, ça fait du bien. En vrai, les gars, je suis trop bien. Bon, la famille, ça y est, je viens d'arriver en Espagne. C'est un chant, hein, les Espagnols. C'est ouf, ça. Hein. Direction Espagne. Je vois deux gros yeux dans la pénombre, là. Andorre la vieille, les amis. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, destination finale de ce petit road trip tranquille. J'ai trouvé un endroit où me garer. C'est parce que ici tout est payant, hein, bien évidemment. C'est un peu l'endroit de la thune. Donc je vais voir combien c'est. J'ai trouvé une zone verte. Mais bon, on va voir si c'est payant, si je passe la nuit là ou quoi. J'en sais rien. Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas pour l'instant. Parce que c'est quand même sacrément en pente, hein. Je sais pas. À voir. En fait, j'aimerais bien payer, mais je peux pas payer. Mais j'ai peur qu'on me nique, genre. Normalement, je pense que c'est bon, tu vois. Si on peut pas payer, on peut pas payer. On est d'accord. Mais je vais quand même faire une vidéo pour la police d'Andorre. Voilà, comme ça, elle voit bien que c'est ça marche pas. Hola, la policía de Andorra. No puedo pagar, vale. Está escribido fuera de survey. Tranquilo con las amendas. Hein. Ici, ça sent l'argent de ouf, ça change des paysages de ces dernières 24 heures, on va dire. Il y a des boutiques de luxe de partout, mais surtout que des boutiques de fringues. Du coup, moi, j'aimerais bien me poser dans un café, un truc comme ça, pour voir si je peux charger mon téléphone et tout. Mais il y a que des boutiques de vêtements et des pharmacies, genre. Je sais pas pourquoi. Du coup, je pense que ça va être compliqué de trouver un endroit. Donc, je pense que ça va aller au Starbucks. Parce que, en fait, je vois vraiment que des boutiques un peu style duty free et tout. Et voilà. En tout cas, pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, première impression, c'est que... Enfin, je trouve que c'est un peu éclaté, genre. Parce que vraiment, c'est un centre commercial géant. Bon, les gars, on dort. On dort. C'est pas ouf, on va pas se mentir. Hein. À part des boutiques et des bâtiments en construction, il y a. Mais jure! Mais wesh! Attends, c'est exceptionnel! Les gars, je sais pas ce que c'est. Il y a vraiment. Il y a vraiment des gens qui se posent là, quoi. Voilà, sinon, le bâtiment est assez stylé. Putain, les gars, attendez, ça fait bizarre de filmer, mais ça me fait trop rire. Wesh, qu'est-ce que c'est? KSSO. Je vous explique le petit problème, enfin le petit détail, parce que c'est pas un gros problème en soi. À Andorre, le forfait internet, enfin ton forfait mobile, c'est pas l'Union Européenne ici. Ce qui fait qu'en gros, ça va te coûter un peu plus cher. Et le problème, c'est que genre, quand je te dis beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus cher. En mode, c'est 5 centimes le MO. Donc en fait, si tu veux, on va se retrouver avec une facture de 30 balles de téléphone. Donc, le problème de ça, c'est que soit je me pose dans un café, cherche un endroit, me rendre dès que je sors du café, et ben j'ai pas le GPS. Ou alors, seconde option, et ben je dors ici. Alors je sais que c'est l'option qui me paraît exploser au sol, parce que genre vraiment, voilà, je suis en pleine ville, tu vois. Mais d'un autre côté, au moins je suis sûr de l'endroit où je dors. Après, sinon, il y a l'autre option, c'est de dormir à l'endroit où je me suis garé. Le problème, c'est que c'est un terrain en pente et qu'il va y avoir des policiers municipaux parce que c'est un parking censé être payant. Je fais entre guillemets parce que la machine ne marche plus. Bref, plein de questions se posent sur où je vais dormir ce soir. J'en sais rien pour l'instant, mais c'est pas grave, ça fait partie du voyage. Mais ça me ferait bizarre de dormir en pleine ville, quoi. Ah, les gars, c'est un truc très stylé. C'est rouge. Quand c'est rouge, dès que ça va passer au vert, bah, ça c'est la richesse, ça. Les gars, je vais pas vous mentir,
la ville d'Andorre-la-Vieille, c'est pratiquement que des parkings et des bâtiments en construction comme ça. Ça, c'est le Parlement. Même le Parlement, il est en train de se faire construire, les gars. Quand je vous dis que c'est la ville de la thune, regardez la voiture qui va arriver, je suis sûr que c'est une voiture de luxe. Bon. Mais regardez-moi ce petit Burger King au bord de la rivière comme ça. En fait, c'est tout petit comme ville, mais t'as vraiment cette impression de grande ville parce que t'as tout ce qu'il y a dans toutes les grandes villes en Europe, etc. Alors que vraiment, ça doit faire la taille, je sais pas, pour les Lyonnais de Tassin, genre. C'est assez impressionnant, je trouve. Ok les gars, truc de ouf, c'est un truc que j'ai toujours rêvé voir. Ça me paraît fou qu'il y ait ça. En fait, je vous explique le concept. C'est une fête, ça se fait beaucoup en Espagne et visiblement en Andorre aussi. Là, ils se regroupent tous. Je sais que c'est compliqué à imaginer, mais en gros, ils vont monter, ils vont se faire une putain de pyramide humaine, les gars. Je vous jure, c'est vrai. Allez, vamos! Donc cette fête s'appelle le Castel. C'est une fête qui se fait en Espagne, visiblement en Andorre aussi. Et je crois que c'est une compétition. Bon, si j'ai bien compris, ils montent de plus en plus haut. Sauf que moi, j'ai pas le temps de tout voir parce que je rappelle que j'ai pas encore de lieu pour dormir ce soir. Donc, faut vraiment que je trouve à tout prix. Oh putain, les gars, je suis mort. J'ai pas pu filmer parce que j'étais en train de les aider à faire la pyramide, comme vous avez vu. En fait, oui, si j'ai changé de pull parce qu'entre temps, je suis retourné à ma voiture. Mais en gros, j'étais vraiment en bas de la pyramide comme as. J'ai demandé aux gars si je pouvais filmer. Et bien évidemment, je pouvais pas pour des raisons de sécurité. Évidente, mais c'était une expérience, mon pote, incroyable. Bon, Andorre by night, ça dit quoi l'équipe? Bon les gars, finalement je vais dormir en ville. J'ai pris cette décision parce que je pouvais pas savoir où était l'autre emplacement avec le problème de réseau. Donc c'est pas grave, go dormir en ville. Je vous avoue que je m'attendais pas du tout à ça de ce voyage, à dormir dans une ville genre comme As. Mais bon, c'est pas grave, c'est l'imprévu. Hein, je vous avais dit que de toute façon ce voyage, il allait se passer des trucs imprévus. Bah là, je pense que c'est le truc le plus imprévu que je puisse faire à présent quoi. Bon voilà, on va visiter la ville de nuit. Je pense que il y a que ça à faire. Et puis voilà, j'ai vu qu'il y avait un concert. Bah vas-y, go, let's go. C'est n'importe quoi, je m'attendais pas du tout à ça. Bon allez, on va aller un peu danser avec les Andorrais, les Andorraises. Je sais pas si on dit comme ça d'ailleurs. Vous savez quoi, Andorre la Vieille de nuit, c'est super sympa avec les lumières et tout, c'est stylé. Franchement, je préfère beaucoup plus la nuit que le jour. Juste les gars, la taille des restaurants en Andorre en fait. Donc 4 niveaux, 3 niveaux. Pourquoi faire? Allez les gars, c'est parti pour cette deuxième nuit en Andorre. Demain, grosse journée de ouf. Demain, on va visiter tout le pays. Je vais aller dans différentes villes, etc. Voir différents paysages. Donc voilà, ça va être une journée de ouf. À demain. Et puis, j'espère passer une bonne nuit. À plus. J'ai assez bien dormi dans ce spot, disons, at speak. En plein cœur de la ville. Non, en vrai, ça va, la nuit était plutôt calme. J'avais peur de ça, parce que vu que j'étais en plein centre, je me suis dit, oula, ça va gueuler toute la nuit. Mais en fait, ça va. Bref, aujourd'hui, on va visiter le pays d'Andorre. On va un peu se balader, voilà, un peu à droite à gauche avec le scénic, toujours présent. Et puis ensuite, on va rentrer en France et ce sera la fin de ce road trip, malheureusement. Mais bon, bref, c'est pas tout à fait terminé. Donc, profitons-en et visitons ce magnifique pays. Les gars, c'est impressionnant. Il y a vraiment Sonterre. La place, elle est gigantesque. Et là, le paysage derrière. Ah, c'est abusé. Oh là là, c'est magnifique. Ah, franchement, ça vaut le coup. Waouh. Ah, ça tue.
Visiblement, ça fait des grands concours de drift. Et dire que de base, c'était mon premier spot ici pour dormir. Et ben heureusement, j'y suis pas allé parce que ça se trouve, je serais, j'aurais été un peu embêté par des concours de drift là. Bon, bref, le programme. El programa de today. Bon, en fait, je sais pas. Parce que, bon, je vais essayer de trouver des spots sympas comme ça. Mais je vous avoue que les villes d'Andorre, les petits villages, on va dire, d'Andorre, bah, y a rien à faire. Donc, le but, c'est de trouver des spots sympas pour voir où je peux me balader, etc. Et pour voir des paysages exceptionnels. C'est le but de ce road trip, avant tout. Dans une ancienne église. Enfin, je dis ancienne parce qu'elle m'a l'air un peu laissée à l'abandon. Les amis, c'est ici que se termine mon road trip de 3 jours en Espagne, en France et en Andorre. En tout cas, je vais pas m'éterniser en Andorre parce que je vous avoue qu'à part des stations de ski vides, il n'y a pas grand chose. Ça doit être super l'hiver. Mais voilà, enfin bref, il y a des très jolis paysages, ça c'est sûr. Mais voilà, je suis à quelques kilomètres de la frontière et c'est ici que va se terminer ce voyage. Nous, on se dit à très très bientôt pour une prochaine aventure. Je vais repartir en road trip, très certainement dans ce Zenivan, mais cette fois-ci accompagné, voilà. Donc les amis, à très bientôt, prenez soin de vous, et on se dit à très vite dans une prochaine aventure. Allez, bisous l'équipe.